Donc salut à tous, c'est Damien, c'est le Guitariste Gamer, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur, et oui, une nouvelle fois, voilà, parce que bah pour moi Halloween c'est pas vraiment fini, puisque bah on se retrouve une nouvelle fois sur un jeu d'horreur, comme je le disais donc. Donc là on se retrouve sur Remothered Road, du coup, le deuxième, puisque là, celui-ci, il s'agit de Remothered Road Broken Porcelain, donc celui-ci c'est la suite, donc du coup, de Remothered Road Tormented Father, voilà, donc c'est la suite du premier, hein, évidemment. Donc je vous lis vite fait le petit topo, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est le retour de Remothered, donc voilà, la série de survival horror couronnée de nombreux prix. Explorer l'auberge Ashman et braver ses dangers pour découvrir la vérité. Voilà, donc après ça dit, retrouver vos héros préférés et de tous nouveaux personnages, voilà, tout simplement, sur la boîte, hein, évidemment, sur Switch. Utiliser de nouvelles compétences, échappez-vous à tout prix, donc voilà, ce qu'il va falloir échapper, s'échapper de la maison, je pense. Bonne expérience de jeu optimale, vérifiez si la patch est disponible en ligne. Bon, ça on verra plus tard. Enfin, je crois que la mise à jour avait déjà été faite quand j'avais démarré la première fois le jeu. Bref, et sur ce, c'est parti, on perd pas de temps, voilà. Ouais. On se met direct dans l'ambiance, hein. Voilà, tout simplement. Donc oui, j'en profite pour faire cette vidéo pour vous dire que, encore une fois, bah, je suis confiné, voilà, comme tout le monde, je pense. Enfin, peut-être pas ceux qui travaillent, en tout cas. Mais en tout cas, moi je le suis parce que bah, Disney a refermé ses portes, hein, voilà, c'était obligé, hein, parce que comme Macron, bah, il a annoncé de nouveau un confinement, bah, du coup moi je suis de nouveau confiné puisque bah, Disneyland a refermé ses portes. Et sûrement que ça sera donc fermé jusqu'au 12 février inclus, voilà. Peut-être qu'il y aura une éventuelle réouverture pendant les vacances de Noël, peut-être, on ne sait pas, mais sinon ça sera fermé jusqu'à mois de février, enfin jusqu'à mi-février, on va dire à peu près. Voilà, c'est la petite info du jour. Autosave, donc ça c'est pas mal. Ah ouais, ça commence direct. Et ben nous sommes partis donc pour une nouvelle partie sur Remothered Broken Porcelain. C'est parti! Allez, direct! C'est parti là! Donc j'en parle parce que c'est le deuxième sur Remothered là. C'est vraiment le deuxième. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Espérons que ça vous plaise. Plus une touche pour continuer. Allez, let's go! C'est parti! Modus present. A Darwin Earth Game. T'as vu que ça se met dans l'ambiance? Developed by Starman Games. Are you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran? You must be suffering from le stress post-traumatique. Le phénoxyl. D'accord. Mais un jeu ou ça. C'est quoi cette intro là? Prenez du phénoxyl, ça vous rendra intelligent. C'est un peu ça le bordel quoi. Des monstres? What? Oh, ça commence direct comme ça. Ok. Can't erase memories forever. It would be like erasing time itself. Memories and time go hand in hand. Ou la lumière, je sais pas. The consequences would be even more devastating than Alzheimer's disease. There would be no separation between pre and post trauma. Non, j'ai pas l'impression qu'elle va prendre la lumière. The memories would wander autonomously in search for answers. Ah, bébé. Or a common ground. Ah, je peux me cacher. Mais c'est trop bien ça. Ah, c'est cool. Ah, si je peux me cacher, c'est bien ça. Ça, je valide. Ça, je valide. Mais genre direct. Se cacher dans un jeu d'horreur, je trouve ça vraiment très bien. Ça, je valide à 100% quoi. Par contre, je peux vraiment pas prendre la petite lampe torche qu'à là-bas là. Genre sur le banc là. Attends, ouais, je suis où là? Ouais, je l'y ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Wesh! 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 D'où là? Mais cours! Mais cours! Mais cours! Mais cours en fait! Mais wesh! Mais wesh! Attends, il est sorti d'où lui? Attends, je sais pas me mettre. Pas dans cette direction. Mais papa. Mais non. Mais relève-toi. Mais relève-toi. Mais cours. Mais je sais pas, mais cours. Mais il est derrière toi. Mais voilà, mais
Mais vas-y, mais n'importe quoi aussi. Attends, mais what? Attends, j'étais pas prêt là. Ah, c'est peut-être fait exprès. Ok, ouais, c'est peut-être fait exprès. Je pense, hein. Oh ouais, il m'a fait flipper l'autre. Ah, ok, c'était fait exprès. Oh, j'étais pas prêt. Oh, le coup de stress là dès le début du jeu. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais, le coup de stress dès le début du jeu là. Oh putain. Eh, j'aurais dû me cacher en vrai. J'aurais dû rester caché clairement. Oh merde. Oh, j'étais pas prêt là. Bah, ça se trouve, c'est un genre de cauchemar ou je sais pas trop quoi. And are you really suggesting that? Ouais, c'était ça, c'est fait exprès. These people kept these experiments synthesizing this parasite. The moths that were carrying out on the plantation is secret, making them intentionally ill as if they were lab rats. Just for this drug. The Phenoxyl. The farm, the moths. Ah, c'est la grand-mère qu'on a premier, ça. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. All those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon premier, enfin sur la première vidéo, je veux dire, du premier remédier dans tout ça. Le lien sera dans la bio. Richard Felton, Oriana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman, they all made a choice. And so did I. Ashman, ouais. So you chose to forget. For 49 years. I left a part of me behind at that time. Oh, c'était ouf. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced. Like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one. Just like me. Ah ouais, genre dès le début du jeu, j'ai flippé comme un ouf là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez flippé ou les yeux dès le début du jeu là. Ah ouais, c'est ouf. Début du jeu, il commence bam comme ça là. C'est un truc de malade. Genre vraiment quoi. Tu te dis wow, le jeu il commence fort. C'est pire que le jeu que je vous avais fait le 31 octobre là, comment ça s'appelle, Friday the 13th là, voilà. Celui-là, le Room of the Red, c'est encore pire que le premier que je vous ai fait. Hein. Genre vraiment. Là, j'étais pas prêt, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un ennemi qui me capasse derrière moi ou quoi. Qui essaie de me tuer ou je sais pas quoi là. Oh le bâtard, putain. Oh la vache. En même temps, t'as eu la tranche de la boîte, voilà quoi. Faut attendre que le jeu il fasse un peu flipper quand même. 1973. Yes. Hello? Who is this? Mr. Ashman. The girl is here. Shall I let her in? Go on. Sit down. Ça me rappelle un peu la scène du premier quoi. You know why you're here, young lady. On dirait un peu comme dans le premier. Oh la tête! Putain, il a une tête lui, il fait peur. Wesh, je sais pas si vous avez sur la tronche là, mais waouh. Puis même qu'on peut s'asseoir. Ah voilà, quand même. I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't... no anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to Flemington. You ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you I never intended. Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious. Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir!
You will do your best. I've always done my best here. I seriously doubt that. Carrie, c'est sa boniche, quoi. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Ouais, c'est un peu ça, c'est sa boniche, quoi. Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. D'accord. The bathroom in room number 212 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really done it this time. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. Ah, il faut que je la suive. And I'm sure the mourning sped up the process. Okay, on va la suivre. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents. Why? Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God! Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north, and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead, well, that's another story entirely. He had always been mommy and daddy's sweetheart. Est-ce qu'on peut interagir avec des trucs ici ou pas? Ah! J'ai cru que j'avais bug. Pas de screamer, pas de screamer. Vas-y, c'est un truc, vas-y, c'est un truc. Oh, je vais pas être prêt. Oh merde! Je me dis début du jeu. Putain, je le savais. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ever heard of knocking? No way. It is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. Les dialogues sont longs. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Je pense que la meuf Wen, c'est la meuf qu'on voit sur la boîte là. Me everything. Je crois que c'est ça. What are you talking about? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. C'est insulté carrément, quoi. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. Right. No! You're going to let me speak. Go away. Et voilà, please. Ça open the fucking door. The door. Fuck you, Lynn. Fuck you. You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong.
Go away. I beg you. Ok. My God, I have to leave this place at once. Really les gars. Bah c'est ce qu'on va faire hein. Wesh. Bah, de toute façon avec une part donc on va se barrer hein. Attends, je crois qu'on peut interagir avec des trucs là non. Genre voilà le coffre. Enfin l'espèce de coffre ou je sais pas quoi là. Vas-y B. Non, mais ouvre le coffre. I can't believe I'm still dragging around this lice-infested suitcase. I've had it since I was at the Flemington Institute. D'accord, donc on va l'ouvrir. Et là, je peux rien prendre. D'accord. Hotel will reopen in late spring. Until then, I will only see the same ugly old faces. Couteau. What? Je vais pas prendre le couteau, genre. Ouais, c'est bizarre. Mais me ouvre la porte du placard, je sais pas. On va regarder ce qu'il y a dedans. Mais bon, y a pas grand chose d'intéressant. Hein. What does it mean? If this is a joke, I don't like it at all, Lynn. Oh, va-t'en. S'il se passe un truc, comment je cours? Locked? This door has never been locked before. Donc genre au calme, elle ferme toutes les portes à clé quoi. Any guests at the hotel? Who could have ordered a meal? Ouais, c'est plutôt bizarre. What the hell does Acherontia mean? Essaye échoué, première fois la scène contrôlable de Rachelin, sujet des vrais vivants. D'accord. Ouais, il se passe quoi là? What the fuck? What the hell did they do to you? C'est un oiseau? You know they used to call him Wyman once upon a time! You're hurting me! It's part of all of us. And we are all part of the same thing. Go away! Go. Cache-toi. Putain. Mais barre-toi. Vite, barre-toi. Mais relève-toi. Mais relève-toi. Allez. Relève-toi et cours. Il faut que j'aille vite me cacher, moi. Mais pourquoi tu relèves? Allez, relève-toi. Vite. Va te cacher. Là-dedans. Merde, c'est fermé. Ah là 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 là. Barre-toi. Casse-toi. Putain. Quoi dans la tête? Quoi? Waouh, mais c'est dur ce jeu. What? Bon, par contre, là, je pense pas que ça soit face, frère. Putain, il est devenu complètement dingue là.
la dame de... Enfin, on va dire la dame de service, on va dire. Mais genre, what the fuck, quoi. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Hein. Bon, je crois qu'on va se laisser les gens. Parce que là, je continuerai pas plus loin. Ça fait déjà presque 30 minutes que je tourne. C'est largement suffisant pour une vidéo découverte. Hein. Oh la vache, putain. Ouais, du coup, ça va me faire recommencer. Enfin, de là où j'étais, du moins. Ah ouais, là non plus, j'étais pas prêt. Hein. Enfin, je savais qu'il fallait que je cours, parce que bon, clairement, elle allait m'attaquer, quoi. Même là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de malade mental. En fait, ce jeu-là, c'est un jeu de malade mental, quoi. Clairement, quoi. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Oh la vache, putain. Ah, je savais. Allez, cours, 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 cours. Va te cacher, va te cacher. Putain, c'est fermé. Et là? Putain de merde. J'espère que je suis partout dans cette direction. Là, je vais me cacher. Je vais pas me cacher ici. Oh putain. C'est la merde. Non, elle est là. Mais barre-toi, vite. Allez, vite. Va te cacher, va te cacher. Lâche-moi, lâche-moi. Vite, vite, vite. Que je me cache, que je me cache. Là, 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 là. Non. Non. Impossible. Comment elle peut me trouver ici? Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Vite, 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 vite. Ouvre la porte, ouvre la porte. Merde, c'est fermé. Oh, c'est compliqué. Vite, 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 vite. J'ouvre une autre salle. Oh, putain de merde. Je vais me cacher, non? Merde, 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 merde. Oh, je peux me barrer. Vite, vite, vite. Part, non. Putain. This must be the hotel's older wing, the one which was engulfed and destroyed by the fire. Oui. Attends. Non, là, c'est verrouillé. Non, là y a rien. Oh non, on m'a retrouvé. Vite. Oh merde, je pouvais me cacher ici. Ici. Non, 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 non. Cours, 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 cours. Petite idée. Ah bah alors là, je suis dans la merde. Alors je suis dans la merde. Bah ouais, enfin... Mais moi je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Complètement taré la meuf. C'est réparé, je suis dans la merde.
Putain, en plus la porte elle est verrouillée. Y'a pas une autre porte. Là, putain. C'est du délire. Je peux clairement pas sortir. Alors là, c'est la merde. Alors là, c'est la merde. Des trucs genre une clé, je sais pas. Un tournevis, d'accord. Je fais pas avec le tournevis. C'est con. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec un couteau, moi? It's all their fault. Ok, c'est fermé, mais peut-être qu'il faut que j'arrête la machine, j'en sais rien. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, ok. It's the key for the padlock. Alors là, t'as intérêt à courir. Oh, fuck. Et elle est revenue. Crap. She locked the door. I'm trapped. Mets-toi. Je peux pas ouvrir. Elle m'a retrouvé. Merde. Non. Par là. Et merde, elle a verrouillé. Putain, mais cours. Y. Putain! Mais là, c'est pas tranquille! Sale folle, va! Non! Oh putain! Ah non, là je recommence pas! Ah non, là c'est mort! Je recommence pas! Désolé, mais là je recommence pas, clairement! Non, il est trop compliqué ce jeu! Bref, voilà, je suis désolé, je vais pas recommencer encore une fois. Parce que oui, bah la dame de, on va dire, la dame de service, bah du coup, qui est complètement folle, qui veut tuer des gens, je sais pas quoi. Genre, elle a complètement fermé à clé la salle, on va dire, de la machine à laver ou je sais pas trop quoi. Donc du coup, voilà, elle nous a niqué quoi, donc on peut pas sortir ni en arrière, ni en avant, enfin je sais pas, voilà, je suis bloqué quoi. Bref, voilà, je suis désolé, je vais pas continuer comme ça. On va s'arrêter là, donc j'espère que cette vidéo horreur sur ce remaster de Broken Porcelain vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, de partager, de commenter évidemment et de vous abonner. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah moi tout simplement je vous retrouve pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc cette vidéo sortira donc lundi, donc c'est-à-dire le 2 novembre, voilà. Voilà, je suis encore désolé, hein. Mais là je recommencerai pas. Bref, c'était donc le Guitarist Gamer, donc on se retrouve pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et surtout, ciao les gens, à la prochaine.